Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel dans lequel je vais t'apprendre à mettre des bandes noires comme ceci là sur Videopad, le logiciel de montage Videopad. Du coup là on se retrouve sur Videopad, là j'ai pris une vidéo que j'avais déjà faite il y a longtemps qui était sur, c'était un petit défi que j'avais fait, tu perds, tu traces d'ailleurs si vous voulez la voir, elle est juste là. Là c'était le moment où je jouais, imaginons que je voulais mettre des bandes noires en haut et en bas. Comment je fais? Alors, il y a deux méthodes. Donc, la première méthode, on va tout simplement venir rogner la vidéo. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais je vais vous le refaire. Donc, là, vous allez dans Effets, vous sélectionnez Rogner. Donc, là, vous... Non, pas là. Vous descendez un peu en bas et vous descendez un peu en haut. Et là, hop, on désélectionne. Et vous voyez bien que là, il y a des bandes noires. Il y a des bandes noires sur la vidéo. Imaginons, vous avez fait plein de coupures. Et vous n'avez pas envie de mettre, cliquer, effet, rogner. Et une autre méthode, c'est qu'on va télécharger une image de bande noire sur Internet, PNG. Donc, vous allez sur Internet, vous tapez bande noire PNG. Voilà, hop, vous allez dans Images. Et vous allez trouver une, voilà, ici, bande noire. Donc vous la téléchargez, c'est déjà fait pour moi. Vous venez l'ouvrir, donc vous tapez bande, hop, je tape bande noire. Elle est là, et juste à prendre les bandes noires, de la mettre au-dessus. De prolonger, bien sûr. Merde. Hop, vous les prolongez autant que vous voulez. Et là, vous voyez bien que il y a les bandes noires qui sont déjà mises. Donc voilà. Voilà, c'était les deux méthodes que je voulais vous apprendre. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me soutient, ça me motive. Et passez une bonne journée. Ciao.